armée basée à l'est, dirigée par Khalifa Haftar, mène une campagne militaire depuis le début du mois d'avril pour s'emparer de Tripoli. CGTN s'est entretenu avec le brigadier général Ahmed al-Mesmari, le porte-parole de l'armée nationale libyenne, comme se nomment elles-mêmes les forces d'Haftar. Il a expliqué ce qui a mené au conflit actuel. Les raisons principales sont que l'OTAN et la communauté internationale sont entrées en Libye en 2011 et ont ensuite laissé le pays être une cible facile pour les terroristes. Et je pense, non, je peux confirmer qu'il y a plus de pays derrière ça. Nous savons que la bataille est très grande et nous savons aussi que la bataille est décisive et par conséquent nous prenons toutes les mesures pour accomplir cette tâche avec succès. Deuxièmement, nous avons pris toutes les mesures pour protéger les vies des civils ainsi que les biens publics et privés. Nous voulons des élections. Tous les combats contre le terrorisme que nous avons menés sont destinés à empêcher les groupes terroristes de prendre le pouvoir en Libye. Désormais, pour reprendre le droit chemin, il nous faut éliminer ces groupes complètement. Puis nous passerons à l'étape de l'établissement et la construction de l'État dans tous ses aspects. Ce sera la responsabilité des hommes et femmes politiques libyens et des nouveaux dirigeants de la Libye.